Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu Tout-Puissant, sauvez-nous en Jésus-Christ. C'est avec humilité de cœur nous présenter devant toi nos matins. Pour nos bonnes gloires, pour nos bons honneurs, pour nos bonnes louanges que vous-même seul méritez. Matin, Seigneur, bien raison pour nous chanter, pour nous dire quelle assurance je suis sauvé. Parce que là, nous faisons rétrospection dans la vie, nous. Pas guéant rien qui était capable de nous le salut. Bon monde, pas ta capable de nous le salut. Œuvre nous, pas ta capable de nous le salut. C'est seulement le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-même seul, matin, qui était capable de nous salut. C'est ça que fait matin, avec force, avec énergie, n'a chanté. Quelle assurance, je suis sauvé. Merci pour la croix. Merci pour le Fils de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour sacrifice ça. Et c'est sacrifice ça qui permet que matin, nous capables de chanter. Quelle assurance. Père, matin, nous pas gagné rien que nous capables de porter barou qui bon. Seulement, un cœur qui plein de péché. Un cœur qui plein de iniquité. C'est seulement sang qui capable de laver. C'est seulement sang qui capable de purifier. C'est seulement sang qui capable de faire de nous chaque nous aujourd'hui. Nous disons merci pour sacrifice ça. Aidez-nous chaque jour à comprendre sacrifice ça, afin que nous capables marcher de façon qui digne à caractère, de façon qui digne avec sainteté, afin que côté ne va passer, comportement nous va capable témoigner qui nous nouille. Père, nous disons merci de ce que ou une matinée ça possible, nous capables venir dans le temple pour nous bonne gloire, pour nous bonne honneur, pour nous bonne louange. Nous demandons au matin pour capable prendre direction service là et permettre que tout ça qui va faire capable contribuer pour ta gloire, pour ton honneur et pour l'avancement de ton règne. Nous prions ainsi, non en qualité de bon, nous prions dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis point à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal. Car toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Pour la lecture alternative, nous demandons pour ouvrir Bibou avec nous dans Psaume 97. Et comme à l'accoutumée, nous lisons les derniers versets ensemble. Psaume 97. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Le feu marche devant lui, il embrase alentour ses adversaires. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre, sur toute la terre. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles, tous les dieux se prosternent devant lui. Car toi, Éternel, tu es le très haut sur toute la terre,
Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. La lumière est semée pour le juste, et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, et célébrez par vos louanges sa sainteté. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, honorables visiteurs, fidèles auditeurs, bienvenue dans le temple de l'Éternel et que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun de vous. C'est avec joie, encore une fois, nous voulons accueillir nos bien-aimés visiteurs qui, pour la première fois ce matin, prêtez-nous visite. Nous disons bien contents, voyons. Ici, à la rentrée, nous te recevons encore. N'a subio, on va porter les informations nécessaires et nous va servir avec vous-même. Non seulement pour nous contacter à vous directement, mais d'une fois de plus, comme nous apprécions présence ce matin. Et juste après le service, n'a bon courage, pas précipiter à aller, mais justement dans une salle réservée à l'arrière-plan de sanctuaire, où il y a possibilité pour rencontrer ensemble avec nous-mêmes et certains des leaders de l'Église. Et si jamais aucune question sur la dite assemblée, nous disposer à cœur ouvert, puis répondre pour vous-même. Nous profitons l'occasion pour nous toujours inviter aux jeunes avec nous-mêmes chaque week-end, vendredi soir, de 7h30 jusqu'à 9h, samedi de la matinée, 8h30 jusqu'à 10h, pour nos séries d'études bibliques. On va apprendre la parole de Dieu avec nous-mêmes, et comme ça, nous va grandir dans la parole de Dieu. Ou même qui membre l'église, n'a toujours encouragé de toujours, pas laisser bulletin l'église là sous banc, mais prendre, déplacer avec lui et lui, la caillou, et Kimbil, dans la salle où il y a une place où il y a un moment de dévotion. Portez regard sur certains noms que nous mettons sur le bulletin pour amener nos bien-aimés qui sont côté nous, parmi nous-mêmes, qui ont souffert. On va prier pour eux-mêmes et supporter eux dans le moyen que bon Dieu lui-même va mettre pour eux-mêmes.
gen certain nom surtout que toujours nous porter si gen nom ou qui t'a supposé là qui pas là pour raison quelconque nous pas connaît et ou même ou déjà au courant fait nous connaît contacter diacre qui dans zone attirer attention sur lui et comme ça nous va mettre nous et nous va prier pour eux même n'a continuer mando va continuer prier pour sœur Marie Josée Célestin sœur Solita Jean-Jacques qui est de toujours pourquoi avec nous qui la calica récupéré nous gen la fille de sœur Galène Maliver. On va continuer à prier pour les amis bien-aimés, c'est là, yo, qui a souffert. Et comme ça, dans le moyen que bon Dieu mettait pour vous-même, on va toujours supporter, yo, dans le moyen que bon Dieu mettait pour vous. Et n'a pas aussi mando, dans l'annonce que nous va faire, s'il vous plaît, prêtez attention avec vous-même, parce que nous mettions sous bulletin, non seulement pour rappeler vous, mais nous faisons annonce du haut de la chair, c'est pour attendre et répondre à vous-même. Nous avons notre église sœur, église baptiste, haïtienne de l'île. Côté pasteur Raph, la milité, il y a une possibilité de fêter 25 années de grâce, 25 années de ministère que bon Dieu confie à vous-même dans zone nom. Si vous avez bien aimé, avec pas mal de nous qui t'aiment aimé, jouez avec vous dans le moment de célébration. Il y a célébré 25 ans aussi du 27 au 29 mai de ce mois. Plus d'informations, on va contacter leader de l'église là. En ce sens. Ou même qui j'étais là en tant que garçon, qui t'ai déjà mis tes noms dans le cahier de registration qui ont mis pour participer avec eux dans la retraite qui va gagner du 17 au 19 juin prochain. Sous pourquoi faire ça, ou bien je dis encore pour faire. Mais sous déjà faire, on va faire tout arrangement nécessaire ensemble avec eux-mêmes dans le moment qu'on a sorti l'église là. Il était un mec, jeune avec vous, puis au fin, il fait tout arrangement nécessaire, de sorte que, moment qu'il y a gagné entre 17 et 19 juin prochain, il a abrité une véritable réussite. Nous voulons annoncer avec tout parent, qui est chita là, qui gagne Timounio, qui est dans kindergarten, jusqu'à 8e grade. Ils ont encouragé l'église à faire provision pour eux-mêmes, pour sommet camp, VBS. C'est du 5 juillet au 5 août prochain. Il y a tout un mois. Il y a avec nous-mêmes, il y a tout une journée. C'est de 8h du matin jusqu'à 3h de l'après-midi. C'est une bonne occasion qu'on gagne, ou qu'on coto confie timoun nous. Non seulement on vient apprendre académiquement à former, mais spirituellement, nous va nourrir. Fait tout arrangement nécessaire, je n'avais responsable du ministère des enfants pour plus d'informations. Nous venons avec la famille Sœur Charles, c'est l'épouse de pasteur Mario qui perd du seul du côté d'Haïti. On va prier pour famille dans un moment de deuil qu'il a traversé. Nous avons notre bien-aimé aussi, Donald Desjans, c'est un frère qui est vraiment dévoué dans le service église-là où toujours est la pluie, mauvais temps, snow. Tout le gens, il est toujours campé dehors pour les aider nous. Dans Pakinan et dans la discipline que nous gagnons. L'église là, les pères du cousin, du côté de Boston, quand elle m'a fait ce samedi. Et plus d'informations, on va contacter Jack dans un noir, et notamment de jeune avec famille là, pour supporter dans un moment de deuil aussi que l'a traversé. Et nous avons note aussi de joie, même quand dans un moment de deuil, nous avons un grand témoignage qui soutient de famille Cassius et Simon. Frère Emmanuel qui était tonton, qui était enterré hier, et ma tante Lee, qui était enterré deux semaines de cela. Famille, non, t'es joué avec moi personnellement hier, pour te dire non, adresser l'église baptiste du Tabernacle, un grand merci. Et remercier mon Dieu, de ce que vous connaissez, frère, qui est une famille, qui sortit de l'ordinaire. Je dis merci à toute équipe là, toutes nous-mêmes, non seulement qui supportait un moment de deuil qui a traversé, mais qui campait ensemble avec eux-mêmes pour te recevoir comme si on était la caillou. Ils ont vraiment impressionné et ils ont pas jeune ça l'autre côté que dans la famille de Dieu. Son témoignage pour nous-mêmes et ils ont dit pas des mots. Ils ont pas aucune expression. Il y a jamais qu'à utiliser puis ils ont dit non, merci mille fois merci. Nous qu'on était avec un pile sacrifice, nous est même ministre, nous est ministère Sam qui campait à pied. Et avec toutes zones, toutes eux-mêmes, puis ont été fait moment hier pour famille ici là, au moment qui était tristesse,
mais qui t'est transformé dans un moment de joie. Tibissi, continue de faire ça, nous le faire, de sorte que le nom de Dieu va continuer à honorer et glorifier à travers la vie, non, par témoignage. Non. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. Nous commençons avec une note de joie, c'est l'arrivée du pasteur Roosevelt Charles, qui est prévu pour ce mardi 17 mai, qui a sorti du côté de la République dominicaine, qui va avec nous pendant un week-end de conférences missionnaires. Conférence missionnaire non a tient lieu vendredi soir à partir de 7h30. Donc, bon Dieu, bénis-nous, lui permettre que Pasteur Roosevelt capable de rentrer, nous demander l'Église pour, comme nous toujours annoncé, pour mettre le week-end ça à part, non seulement pour accueillir lui, mais aussi pour nous capables de faire connaissance de qui ça, bon Dieu, a fait au travers de lui-même, dans un côté qui est réellement bouleversé, qui est très, très difficile, côté bon Dieu permettre d'œuvrer auprès de nos frères haïtiens, dans la République dominicaine. Donc, nous attendons vendredi soir à 7h30 pour une grande soirée d'ouverture et dans le programme missionnaire que l'Église l'a gagné sous direction de pasteur Mario Charles. Donc, nous attendons, faites effort, s'il vous plaît, pour nous capables là, à l'heure, pour nous commencer service nous d'emblée à 7h30 vendredi soir. Note que nous prenons partager ensemble avec vous, il va aussi modifier le programme que nous avons gagné pour samedi, pour conférence missionnaire là. C'est avec beaucoup de choc et de tristesse que nous avons appris le départ imprévu, précipité de frère Sauveur Jean-Louis. Frère Sauveur Jean-Louis qui est membre de l'église là, Sauveur Saint-Louis plutôt, qui membre l'église là, qui était habité du côté de Brockton avec Madame Ning, levé hier matin, les pas sent-il trop bien, il vient coucher sur cabanon et tout relé Madame n'a pas relé, il pas bougé et là il y aurait les ambulances, il rejoint que cœur était déjà arrêté et notre frère qui a à peine soit célébré 75 ans en mois mars dernier, est parti soudain pour l'éternité. Et nous avons gagné service funèbre le samedi matin. C'est ça que fait les activités prévues pour conférence missionnaire dans samedi. N'a pas adoré bon Dieu d'une autre façon. Et m'insister sur ça. N'a pas adoré bon Dieu d'une autre façon pour nous capables de célébrer la vie de frère Sauveur Jean-Louis, membre Saint-Louis plutôt, membre de l'église baptiste du Tabernacle. J'ai gagné chance hier soir pour aller visiter Madame Ney. Et il y a une bagaille qu'elle dit qui touchait moi et m'espère qui touchait autour. Elle dit c'est seul nous-mêmes les gagnons comme famille. Mes chers amis, pas de ce voisseur. Fais le sentir que famille campait ensemble avec lui. N'a pas gagné un viewing qui a commencé à 8h30 samedi matin. Et elle a duré une heure de temps, ou capable de venir, sous pas gagné chance pour te visiter pendant ce moment-là, ou capable de venir pour passer un petit temps saluer lui, pendant on va jeter un coup d'œil sur la dépouille de notre bien-aimé. Ça a fait de 8h30 jusqu'à 9h30. Et à 9h30, d'emblée, on a commencé avec service funèbre. Et pour célébrer la vie de frère Sauveur Saint-Louis. C'est comme ça, bon Dieu voulait, c'est comme ça, n'a pas accepté. Et de voir nous, c'est pour nous pleurer avec Sayo, qu'à pleurer. N'est-ce pas, chers amis? Et ce a compté sous nous en pile, nous compter sous nous. Corala va venir pour participer dans le service funèbre. Elle va réunir à 8h30 pour nous capables de faire dernière répétition. Et pour que nous capables de gagner un service d'adoration qui glorifie mon Dieu, qui aussi est une source de réconfort pour Sœur Saint-Louis dans l'occasion très très difficile que l'a traversée. Donc, nous vendredi soir pour notre conférence missionnaire à 7h30 et samedi matin
à 8h30, on va réunir en foule pour nous capables de supporter notre sœur et célébrer la vie de notre frère. Que le Seigneur vous bénisse. Tournez à gauche et à droite et saluez frères et sœurs qui accompagnent, dites bonne adoration. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. La paix, bon Dieu, avec nous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. C'est une joie extraordinaire pour nous recevoir dans l'église baptiste du Tabernacle matin. Un grand-père qui campait bon côté, petite Philly, sœur Nadine Maudet, c'est docteur Jean-Franz Maudet. Vini pour témoigner et camper beaucoup de petites filles pour dédier Jaden au Seigneur. Et aussi frère Schiller et soeur Roseline qui a présenté Chiran, est-ce que vous prononcez bien Chiran? Chiran au Seigneur. Amandeo, est-ce que c'est désir, non, à l'instar de Anne, pour nous présenter petite que bon Dieu va nous garder en héritage, pour nous présenter le Seigneur, pour le capable toute la vie prêter à l'Éternel. Si oui, dis Amen. Est-ce que c'est aussi désir nous pour nous créer un environnement chrétien pour que nous soyons capables d'apprendre à connaître Christ comme maître et sauveur personnel? Nous prions que le Seigneur est capable de jeter grâce et bénédiction de ce nom. C'est aussi de voir l'Église pour répondre à même exigence là, pour nous-mêmes nous camper et dresser un mur autour de nous. Pour nous prier le Seigneur pour yo. Est-ce que l'Église voulait assister famille dans la résolution que yo prend pour yo grandir petit bon Dieu bayo selon crête bon Dieu? Si oui, on nous dit Amen. Nous, l'enfant est trop petit pour la route étroite. Nous mettons-nous debout pour prier le Seigneur. Seigneur et notre grand Dieu, avec cette déclaration qui affirmait notre foi, nul enfant n'est trop petit pour être un temple au Seigneur. Seigneur, c'est avec de tels sentiments que nous approchons devant vous avec la famille Maudet et aussi avec la famille Jean-Baptiste. Rejoignez-nous avec eux et cœur-nous avec eux, Seigneur, pour nous demander où. Vous-même, vous êtes capable pour vous, Seigneur, un rempart, un refuge, un secours qui n'a jamais manqué dans mes temps de détresse. L'Église vous campez, cher Seigneur Dieu, pour supporter vous. Vous dites oui, nous d'accord ensemble avec vous, que tout le monde doit exposer à l'Évangile et que arriver à l'âge de connaissance pour vous apprendre à accepter vous comme maître et sauveur personnel, pour vous vivre vous-même. Et ces prières, nos seigneurs, si Timoun Sayo doit devenir quoi que ce soit dans la société à selon volonté ou, que capable de venir avant tout,
un homme et une femme de Dieu consacrés au ministère de l'Évangile, pour que nous soyons capables de glorifier non seulement dans la vie, à travers le monde, mais aussi, Seigneur, particulièrement dans l'Église. Merci parce qu'on a additionné à l'Église baptiste du Tabernacle. Merci, Seigneur, parce que vous veillez sous vos parents. Et jusqu'ici, Seigneur, nous sommes capables de dire au secours. Nous bénissons pour ça. L'Église vous campe, cher Seigneur Dieu, devant vous, pour nous prier aussi pour famille, pour nous prier pour ça qui est en détresse, pour nous prier ça qui a passé par dans des moments extrêmement difficiles, pour nous prier pour ça qui a un problème économique, plusieurs bagailles qui rentrent dans la famille, qui causaient pas mal de stress. Nous venons dans le pied au Seigneur pour nous remettre nos mains. Nous connaissons, Seigneur, nous connaissons, nous pouvons servir sans difficulté. Nous venons dans le pied au Seigneur avec toute force de nous. Nous venons avec tout problème de nous. Nous venons avec toute difficulté de nous. Et pour nous déposer dans le pied au Seigneur. Pendant nos campagnes en présence, nous demandons pour visiter chacun de nous. Nous demandons tant prie, cher Seigneur Dieu, pour garder la vie nous. Et ouais, qui côté nous y est dans la marche nous avec nous. Et nous connaissons qu'on a besoin de nous. Nous connaissons c'est le réparateur des brèches. Nous connaissons ces secours, ça y est, qui sont secours. Nous connaissons, Seigneur, là, nous crier, c'est vous-même seul qui est capable de répondre. C'est ça que fait nous te chanter, je dis, pour quitter prière, nous monter vers vous-même. Seigneur, nous prions aussi pour Sœur Surette. Nous prions pour Daphné. Nous prions pour la famille Saint-Louis. Nous prions, Seigneur, pour ça y est, qui est en détresse, frère des gens. Nous prions, Seigneur, qu'on est capable de toucher chaque bien-aimé, ça y est, dans le moment ça. Je dis, c'est une journée de la famille. Nous dédions nous à nous-mêmes. Nous dédions famille nous à nous-mêmes, Seigneur. Nous dédions l'Église nous, encore une fois à nous-mêmes. Avant de jeter sur nous, Seigneur, un regard qui est favorable. Et un retour nous va glorifier nous. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'en prions. Amen. Te bénisse et qu'il te garde, que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et t'accorde sa paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous présentons au Seigneur le petit Jeden du Mornay. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et t'accorde sa paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et au nom de l'Église, nous voulons présenter et non seulement ces cadeaux, mais aussi ce certificat en témoignage de ce jour où nous prenons cet engagement devant Dieu pour élever Chaïwen Jean-Baptiste dans la crainte du Seigneur, ou capable de jouer les instructions par lesquelles, ou capable d'honorer ce vœu que vous prenez devant Dieu et devant l'Assemblée. Que le Seigneur vous bénisse. Aussi bien à Jeden, n'a offri ce certificat à vous-même et cadeau ça à Jeden. Côté où va jouer aussi les instructions qui va permettre ou honorer vœux et engagements qu'on sort prend pour nous capables d'élever dans la crainte du Seigneur.
Que le Seigneur bénisse. Thank you.
Ça se fait si route la mauvaise, même si je ne mourrais pas. Li connaît bien tout ça m'a fait. Papa mange comme ça. Ma chute en soleil n'en fait noir. Ni pour s'écriver ma couteau. Pour chanter moi pour que publici. Papa mange comme ça. Consensus capable de changer, ça pas fait moi rien. Est-ce que si qu'on s'allie choisir, papa pas bon pour moi. Ma chanteille dans le soleil non fait noir. Ni pour s'écriver ma contente, pour me chanter moi pas capable de papa agir comme ça. Tu dis à passer où ça, m'a suivi les pas à pas. Moi j'ai confiance que le Seigneur a mené mon ciel là. M'a chanté dans le soleil, dans le feu noir. Pour s'écriver ma côte, pour me chanter moi pas capable de dire papa agir comme ça. Seulement lumière à crise huissance attendre moi à la faille. Donc moi pas peur aussi souffrance. Papa m'range comme ça. Papa m'range comme ça. Papa m'range comme ça. Brothers and sisters in Christ, may the peace and the grace of God be with you all. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Would you open your Bible with me to the book of Daniel? Souka ouvrir Bible avec moi dans le livre de Daniel. We'll turn our attention to chapter 9. On va tourner attention nous au chapitre 9. We'll go to verses 24 through 27. Et nous allons lire du verset 24 au verset 27. Daniel chapter 9, 24 through 27. Daniel chapitre 9, verset 24 au verset 27. 70 weeks are determined for your people and for your holy city to finish the transgression, to make an end of sins, to make reconciliation for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy. Know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem until Messiah the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks.
The street shall be built again and the wall, even in troublesome times. And after the 62 weeks, Messiah will be cut off, but not for himself. And the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. The end of it shall be with a flood, until the end of the war desolations are determined. Then he shall confirm a covenant with many for 1 week. But in the middle of the week, he shall bring an end to sacrifice and offering. And on the wing of abominations shall be one who makes desolate, even until the consummation, which is determined, is poured out on the desolate. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastateurs dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Prions le Seigneur. In Jesus' name, amen. We now turn our attention to one of the most difficult passages in the Bible. Nous tournons attention nous connaissons sur un passage qui est beaucoup plus difficile dans la Bible. We began with it last week.
Nous avons commencé la semaine dernière. And we hope today to be able to clarify some of the concepts for you. Nous souhaitons, je dis, par la grâce de Dieu, clarifier quelques conceptions pour vous. As we said before, this is not milk for children to drink. Comme nous t'ai dit déjà, c'est pas du lait à boire pour les enfants. It is meaty stuff. C'est nourriture solide que l'il est. It takes good digestion to be able to let this penetrate your heart. Il prend un système digestif qui est très fort pour capable permettre que ça y pénétrer dans cœur. But it is important for all of us to understand this passage. Mais il est très important pour chacun de nous pour nous arriver comprendre pas ça. Because it reveals God's end time program for the world and particularly for Israel. Parce que il révèle le plan de Dieu pour l'humanité et particulièrement pour Israël. You need to understand it because there are many people who will seek to confuse you about what's going to happen in the end times. Vous devez comprendre parce que gars pile monde cap chercher confus monde par rapport à ça qui gain pour arriver dans la fin des temps. There will be a lot of seductors out there that will try to misuse some of the passages of scriptures to lead you astray. Gain en pile séducteur derrière qui a essayé mal employer et utiliser la parole de Dieu pour capable séduire l'autre monde et mener dans mauvais chemin. Your confusion will create fear. Confusion non, il va créer la peur. When it is not even warranted. Et lorsque il n'est pas même nécessaire. It created doubt. Il va créer doute. It will affect your faith. Qui va aussi affecter foi. Some people will create some false doctrines to seduce you out of those passages. Gemon k'ap servi avec passage ça pour créer fausse doctrine pour séduire monde. It is necessary for us to preach it and for you to understand it. Il est nécessaire pour nous prêcher et pour même arriver comprendre. Because when you understand God's program for the end time, parce que l'on comprend le programme de Dieu pour la fin des temps, it creates a level of comfort. Il crée un niveau de confort. Confidence. Confidence. It gives you hope. Il ba ou espérance. And the reassurance that the world, in spite of his chaos, et une réassurance que le monde, en dépit de tout chaos et qu'a privé la donnée, still under God's control. Il est toujours sous contrôle, bon Dieu. As we are going to see in some slides, comme nous allons réaliser dans quelques images que nous va projeter pour vous, there are several points that we would like you for you to pay attention to. Il y a quelques points que nous aimerions suivre et prêter attention à eux-mêmes. Daniel chapter 9 verse 24 to 27. Daniel chapitre 9 verset 24 au verset 27. We find the concept of 77. Nous joignons une conception que relaient les 7 fois 7. We talked to you last week about the meaning of that. We will clarify them more today. Semaine dernière, nous t'ai parlé de signification probable, n'a pas encore clarifié le pour. But there are 3 points that we want you to retain from this passage. Mais il y a 3 points essentiels que nous avons retenu de passage ça. Today we will conclude with several applications, but there are 3 particular points that I would like you to remember. Je dis, on a conclu avec plusieurs applications dans ce passage-là, mais il y a 3 points essentiels dans mon songer. It's all about God's sovereignty and control over history. Tout ça n'a pas lié à un rapport à la souveraineté de Dieu et son contrôle sur l'histoire. History is not only predicted by God. L'histoire n'est pas seulement prédit par Dieu, but is determined by God according to His plan and purpose. Mais bon Dieu détermine la fin de l'histoire selon son plan et son but. The second thing we want you to remember, deuxième bande à vous songer, is that Israel plays a preeminent role in God's program. C'est que Israël joue un rôle prééminent dans le plan de Dieu. Regardless of what your feelings might have been about the nation of Israel or about the Jews, peu importe de son pensée au sujet de la nation d'Israël ou des Juifs, God has a program and at the center of that program is the nation of Israel. Bon Dieu a un plan pour la fin des temps et au milieu même de ce plan, c'est le plan pour Israël. But most importantly, mais beaucoup plus important, it's not so much about Israel. C'est pas particulièrement au sujet d'Israël. It's not so much about history. C'est pas seulement au sujet de l'histoire. It's not so much about the church. C'est pas seulement au sujet de l'église. It's particularly about God's faithfulness. Mais particulièrement basé sur la fidélité de Dieu. And that's what you need to remember when you are thinking about God's program. Et c'est ça besoin penser leur penser au plan de Dieu, au programme de Dieu. When you are thinking about Israel, que leur penser à Israël. It's about God's faithfulness. C'est penser à la fidélité de Dieu.
Now we're going to turn our attention to, again, as a review from what we said last week. Nous va tourner attention, nous juste en révision de ça nous t'ai semaine dernière. To understand what do we mean by week. Pour nous comprendre ça nous t'ai voulu dire par les semaines. In our concept, when you hear the word 7 weeks. Dans conception par nous, dans langage par nous, l'entend de 7 semaines. And you know a 1 week equals 7 days. Vous connaissez une semaine égale à 7 jours. That you think about 70 weeks. Alors pensez à 70 semaines dans thème pas nous. And you can calculate it and you see the number of days that will give you. Et sous ta calcul, il va prendre combien de jours que ça t'abaille. But we don't only think about the concept of week. We also think about unit. We think about periods of times. Nous pas seulement penser de conception de 7 semaines, mais nous penser aussi de unité, de conception de 7 unités. So, for instance, in our language, if I say 3 decades, everybody knows I'm talking about 30 years. Par exemple, dans le langage, nous, si me dit 7 décennies, on déjà connaît que m'a parlé de 30 ans. If I say 2 dozens, everybody knows that I'm not talking about 2, I'm talking about 24. Si m'a dit 2 douzaines, tout le monde connaît, m'a parlé de 2, m'a parlé de 24. Because we have certain ways of categorizing time by putting them in one unit. C'est l'idée que nous avons une façon pour nous catégoriser le temps et mettre-le dans façon de unité. Well, for the children of Israel, instead of using dozens or decades, they use seventh as a period of time. Alors pour les enfants d'Israël également, au lieu que utiliser unité, j'en nous parler, ils ont parlé de 7 comme une unité de temps. So 1 week is a 1 period of 7. Alors une semaine, c'est une période de 7. And how do we know that it is not 7 weeks or 7 days? It is 7 years. Et comment nous faire connaître que c'est pas 7 semaines ou bien 7 jours, mais c'est plutôt 7 ans? Well, we have a biblical precedent in Genesis chapter 29. C'est parce que nous gagnons précédence biblique dans Genèse chapitre 29. You remember when Jacob was with Laban, his uncle, and he had to work in order to earn the ends of daughter Jacob's, Laban's daughter, rather. Songez lorsque Jacob était avec tonton Laban pour le travail, pour être capable de arriver, gagner confiance li pour petite fille. And he said in Genesis 29 verse 27. Il dit dans Genèse chapitre 29 verset 27. And verse 28. Et puis ensuite verset 28. You will work for 1 week. Il dit ou va travailler pour une semaine. Then we find out in the same verses. Mais nous réaliser dans même verset. That week was talking about 7 year period. Que nous remarquer qu'il a parlé de 7 nouvelles années. It's not the first time that the concept of 7 weeks is being used to describe years. C'est pas première fois question de conception de 7 semaines non utilisée pour expliquer les années. And you understand also, as we shared with you, that the concept of 7, where we get the word from 1, 2, 3 until 7, that complete a circle of the Sabbath. On comprend aussi que même conception que nous joignent, c'est les mêmes qui complétaient l'idée ou la compréhension du sabbat. Not only we have period of 7 that gives us years. Non seulement nous avons une période de 7 qu'on a parlé en référence de plusieurs années. But we have also Sabbath year throughout the Old Testament. Mais nous avons aussi l'année sabbatique à travers l'Ancien Testament. For instance, you remember in Leviticus chapter 25. Par exemple, songez dans Lévitique chapitre 25. Verses 1 through 7. Verset 1 à 7. Leviticus 26, 24 to 35. Lévitique chapitre 26, verset 27, verset 24, 25. That the children of Israel were to work 6 years. Que les enfants d'Israël devaient travailler la terre pendant 6 années. But the 7th year would be a year that they will live for a Sabbath year. Mais 7e année a été de quitter lui comme une année sabbatique. And because they failed to observe that sabbatical year, et parce que ont failli pour observer cette année sabbatique, God sent them in captivity for 70 years. Dieu voyait eux en captivité pour 70 années. Donc we know that
because Jeremiah 25 verse 11 told us how many years they were in captivity. Nous connaissons ça parce que Jérémie chapitre 25 dit nous combien années que Israël était passé en captivité. And so for every Sabbath year they violated. Et nous connaissons pour chaque année sabbatique qu'ils ont violée. They had to spend that in captivity. Ils ont passé une année en captivité. So that's what we have the concept of 490 years. C'est là nous jouons une conception de 490 ans. So the total rebellion of the children of Israel was 490 years violating the Sabbath. Alors période de temps de violation ou bien désobéissance d'Israël, c'était 490 ans pour violation du sabbat. And now they are coming at the end of that captivity. Et quand ils sont arrivés à la fin de cette captivité. As you remember Daniel's prayer, what's going to be next? He's going to want to be restored into fellowship with God. Comme on capable songer la prière de Daniel, qui ça qui pral fait, qui ça qui nécessaire pour nous capable restaurer en communion avec Dieu. And God says there will be another 490 years. Et Dieu dit il va gagner un autre 490 ans. All we are saying there is a consistency with the concept of using 77s as concept of years. Ça nous le dit, c'est que il y a une consistance dans l'utilisation de des années de 490 ans et à travers les écritures. So when Daniel hears that, he understands clearly why there will be 490 years. Alors le Daniel entend ça, il comprend clairement pour qui raison que son période de temps de 490 ans. For God to finish his program with Israel. Pour Dieu capable de terminer son programme avec Israël. Well, one clear reason as we explained to you last Sunday that it cannot be weeks or days. Bon, il y a une autre raison claire que nous démontrons que c'est pas des semaines proprement dites ou bien des jours. Because we have six things that must happen in verse 24. Parce que gagnent et cinq bagailles qui doivent arriver selon verset 24. There are six, those six things you cannot fit them in any week or in any number of days. Six bagailles ça yo, c'est pas bagaille qu'on capable placer dans your semaine ou bien dans un nombre de jours. And when you understand when that week began and that period began, you will understand throughout history why it would take 490 years. Et là, comprendre période ça, là, comprendre ça qui a passé à travers l'histoire, là, comprendre aussi ça qui fait le doué prendre 490 ans. Now we have the six things listed. Là, nous gagnons dans verset 24. Là, we're going to go over them and then we'll clarify them for you. Six bagages ça souligner, m'bra le clarifier pour. The first one is to finish transgression. Première, c'est pour faire cesser les transgressions. Know that it is in singular. There is talking about a particular transgression. Notez bien que la parler de yon transgression particulière. Israel has departed from the Lord. Israël est départi du Seigneur. When God sent the Messiah, they rejected the Messiah. Les bon Dieu t'a envoyé le Messie, ont rejeté Messie. And that what cause Israel to be where it is today. Et c'est ça qui causait que Israël retrouvait la côte liée aujourd'hui. They were dispersed throughout the world. Ils étaient éparpillés à travers le monde. They know several persecutions. Ils étaient connus en pile persécution. They were taken into exile. Ils étaient menés en exil. Until today, they are still being persecuted. Jusqu'aujourd'hui, ils continuent à être persécutés. Well, all that happened because of their transgression. Bon, tout ça arrivait à cause de leur transgression. But the text says there will be a time that the transgression will end. Le texte a dit que gagne un temps qu'arrivé côté transgression va suivre. This particular transgression will be the end of Israel's rejection of the Messiah. Transgression ça lui-même c'est va une marque de la fin de désobéissance d'Israël. So within those 490 years, pendant 490 années ça, a time will come that Israel will accept Christ as the Messiah. Gagne un temps qui va arriver côté Israël comme nation va accepter Christ comme Messie. They will end their transgression against God. Il va terminer transgression contre Dieu. Again they will be reconciled back into fellowship with God. Et ensuite il va réconcilier dans communion avec Dieu. So that's the first thing that must happen. Alors ça c'est premier bagage qui doit arriver. The second thing that must happen, there will be an end to sins, plural. Deuxième bagage qui doit arriver va gagner une fin au péché au pluriel. Now the transgression related particularly to Israel. Maintenant transgression liée particulièrement à Israël. Sins in plural refer not only to the sin of Israel but to the sins of the world. Le péché au pluriel fait référence non seulement au péché d'Israël mais au péché du monde entier. Romans 3:23 tells us all have sinned
and have sinned and have fallen short of the glory of God. Romains 3:23 dit nous que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. But God, the Bible says there will be an end to that. Mais la Bible dit va gagner un fin à tout cela. In the Old Testament, they used to make sin offerings to atone for their sins. Dans l'Ancien Testament, ils étaient qu'on fait offrande pour offrir pour péché. They offered animals in sacrifice to atone for their sins. Ils étaient qu'on offrit des animaux en sacrifice pour être capable de joindre pardon. But when that prophecy was given to Daniel, et lorsque prophétie ça a été bail à Daniel, he told Daniel there will be an end to all that. Il dit Daniel va gagner fin à tout cela. That will happen in two ways. Ça va arriver en deux façons. God will provide the solution to solve the sin problem. Dieu va faire provision à une solution pour capable répondre à problème du péché. Not only for Israel but for the whole world. Non seulement pour Israël mais pour le monde entier. And this is what John said in John 1:29 when he saw Christ. Et c'est ça Jean dit dans Jean chapitre 1 verset 29 le This Christ. Is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Et voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. So Christ will come and that will put an end to sin. Et Christ vient pour venir et l'a mettre une fin au péché. But you say people continue to sin. Mais on dit bon, monde continue à pécher. Well, the primary sin that causes people to continue to sin is because they have fallen short of the glory of God. Bon, le péché originel qui causait l'homme continuer dans le péché, c'est parce que il était tombé loin de la volonté de Dieu. But when they turn back and accept Christ as their personal savior, mais leur retourner pour accepter Christ comme maître et sauveur personnel, that will be an end to their sin. Ça, c'est va y avoir fin à leur péché. And not only in the judicial sense, non seulement dans le sens judiciaire, but also in the spiritual sense, mais aussi de façon spirituelle. Because Romans 6 tells us those who died were buried and rose with Christ. Parce que Romains 6 dit, ça qui était mort, il était enterré et ressuscité avec Christ. And sin will not dominate over them anymore. Et il dit péché par la puissance et pouvoir sur eux encore. And you remember Paul's declaration in 1 Corinthians 15. Vous vous souvenez la déclaration de Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15. In the great chapter of the resurrection. Dans ce grand chapitre au sujet de la résurrection. He challenged death, where is thy sting? Il challengeait la mort pour me dire, ô mort, où est ton aiguillon? Thy sting is sin. Il dit, c'est ton aiguillon est le péché. And because Christ died and rose again. Et parce que Christ est mort et ressuscité. The problem of sin is resolved. Alors le problème du péché est résolu. Sin has no more control over the child of God. Le péché n'a plus de pouvoir sur l'enfant de Dieu. And that's one of the evidence that you are a child of God is that instead of being dominated by sin, ça c'est une évidence que c'est un petit bon Dieu au lieu que péché domine sous. You have control to say no to sin. Ou même vous avez contrôle pour capable dire non au péché. Before you didn't have that power. Avant cette réconciliation, vous pas de puissance. But by the blood of Christ and by his resurrection. Mais par le sang versé de Christ et par sa résurrection, the problem of sin can be solved. Le problème du péché est résolu. And number 3 goes along with number 2. Et troisième partie à l'aller de pair avec le deuxième. He tells us how does it happen. Il dit nous comment réconciliation est faite. He tells us it is through atonement. Il dit nous c'est par le rachat, par le sang versé. Christ poured out his wrath over his son at the cross. Christ, Dieu mettait colère lui sur son fils à la croix. When Christ died at the cross, lorsque Christ est mort à la croix, he paid for the ransom for sin. Il payait pour le prix du péché. And his blood covered me and covered you. Et son sang lui couvrit moi et lui couvrit vous. And that's the atonement, the sin is paid for. Et ça c'est ça nous parler, on a parlé de rachat, le péché lui payé. And not only God took away my sin because of the blood of Jesus Christ. Non seulement bon Dieu retire efface péché à cause de Christ. He permanently removed the wrath that was supposed to fall upon me and upon you. Une fois pour toutes retirer la colère de Dieu qui était de tomber sur moi-même. And in 2 Corinthians chapter 5 it says Christ, God was in Christ reconciling the world to himself. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5, il dit Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. So the concept of atonement for iniquity. Alors conception de rachat pour iniquité involve both Christ's sacrifice to pay for my sin. Il inclut non seulement le sacrifice de Christ pour payer nos péchés, but also involve my reconciliation with God. Mais il aussi inclut ma réconciliation avec and Dieu. And all that will have
to happen within those 490 years. Et tout bagage ça doit arriver pendant période de 490 ans. But remember, this passage is particularly about Israel. Mais songez que passage ça lit particulièrement au sujet de la restauration d'Israël. The holy city. Et au sujet de la ville sainte. Remember that. Songez ça. It's all about Israel. C'est un texte par rapport à Israël. So the first intent of the sacrifice. Alors première idée de sacrifice là. The first intent of the sacrifice. Première intention de sacrifice là. Is to reconcile Israel to God. C'est pour réconcilier Israël à Dieu. By His grace. Par sa grâce. All of us by faith have been placed in that program. Nous toutes par la foi nous placés dans ce programme. But the first intent of that was for Israel. Mais première intention c'est par rapport à Israël. Number four. Quatrièmement. That's the fourth thing that must happen within that period of time. Quatrième bagage qui doit arriver pendant période de temps ça. It will bring everlasting righteousness. La portée la justice éternelle. The children of Israel. Les enfants d'Israël. Will receive God's righteousness upon them. Ils vont recevoir la justice de Dieu sur eux-mêmes. And that righteousness will be everlasting. Et cette justice sera éternelle. Because not only they will be saved through the same process that we are saved. Parce que non seulement il va sauver à travers même processus qui sauve nous. But in the millennial kingdom, they will enjoy the fullness of the righteousness of God. Mais dans le royaume millénaire, il va en réjouir également la justice de Dieu. And because they will enjoy the righteousness of God. Et parce que il va endurer la justice de Dieu. They will again be in fellowship with God. Il va une fois de plus en communion avec Dieu. He will take away their sins. Il va effacer péché. And will give them His righteousness. Et il va bailler sa justice. And as a nation. All Israel will be saved. Et comme une nation, tout Israël sera sauvé. That's what Romans 11, 26, 27 tells us. C'est ça, Romains 11, 26, 27 dit nous. And the fifth thing that must happen within that period of time. Et c'est quel bagage qui doit arriver pendant période de temps ça. He will seal up the vision and prophecy. Il va sceller la vision et la prophétie. There will be no need for more prophecy or more visions. Pas gagner nécessité pour une autre vision ou prophétie. Because all the covenant promises will be fulfilled. Parce que toute promesse alliance là, il va déjà accomplie. All the promises will be fulfilled through Jesus Christ. Toute promesse alliance là, elle va accomplie en la personne de Christ. So the vision will be sealed. Alors la vision, il va sceller. That means it will be complete. Cela veut dire, il va complète. Everything will come to fulfillment. Et toute bagaille va arriver à sa fin. Within that period of time. Pendant période de temps ça. And the last thing that must happen. Et dernier bagaille qui doit arriver. Within that 490 years. Pendant période de 490 ans ça. They will also anoint the most holy. Il va aussi oindre le saint des saints. Now the concept takes us back to the Old Testament. Alors conception encore mène nous tourner dans l'Ancien Testament. In the temple or the tabernacle, we know we had the holy and the holy of holies. Dans le temple ou bien dans le tabernacle, nous gagnons le lieu saint, très très saint. So that takes us back where that anointment will take place. Ça mène nous là côté genre de cérémonie ça va prendre place. Either there will be a millennial kingdom, soit va gagner un royaume millénaire, a millennium in the millennial temple, et non, ou bien un temple millénaire, with the most holy, qui avec le saint des saints, and that will be anointed also at that time within that period of time. Et Dieu ça aussi il va oindre dans période de temps ça. So let me remind you again. Qui te rappeler encore. All those six things must happen for Israel. Toutes six bagages ça doit arriver pour Israël. Within that 490 years. Pendant période de 490 ans ça. So you must wonder why all of them have not been fulfilled yet. Alors on doit poser question mais ça fait bagages ça pour arriver à accomplir. Because from the time is going to tell you when that program started. Parce que le bral dit nous du temps que programme ça a été commencé. And you will see that more than 490 years have passed. Et on va réaliser que gagne environ plus de 490 ans qui passent. Israel still in rebellion against God. Israël toujours en rébellion contre Dieu. The sin of Israel has not ended. Les péchés d'Israël pas terminé. Israel is not living in reconciliation with God. Israël pas vivre en réconciliation avec Dieu. Israel is not enjoying now everlasting righteousness. Israël pas jouir la justice éternelle de Dieu. The seal, the vision and the prophecy have not been sealed. Les questions de vision et prophétie a pas été scellées. And the most holy has not been anointed. Et ensuite le saint des saints il y a pas été oint. That means there are many of those that must still be
future. Cela veut dire que il y a plusieurs dans bagage ça. Not only there were future when the prophecy was given to Daniel. Non seulement lorsque Daniel t'a recevoir prophétie, c'était un bagage dans le futur. But still today there are many of these that are still future. Mais encore je dis à pile bagage ça aurait été encore des futurs. So now you are wondering when did all that start? Alors on pose la question qui le bagage ça te commence. How can we measure it in time to know when the 490 years will expire for Israel? Comment pour mesurer le dans le temps pour connaître qui l'heure ces 490 ans va terminer pour Israël? Well, I think you remember when God said something. Bon, un bagage au besoin songer c'est que quand Dieu dit un bagage, it will happen. La privé quand même. What has not happened yet, ça peut qu'arriver, must be still future. Il doit rester toujours dans le futur. And as we often sing, et comme nous le souvent, what his mouth has said, que ce que sa bouche a dit, he has the power with his hands to accomplish it. Sa main est assez puissante pour l'accomplir. So now we're going to understand how, when it is start and when it's going to end. Alors nous allons comprendre qui l'a commencé, qui l'a terminé. And you don't have to speculate about that. Et vous pas obligé de spéculer sur ça. You have to be a student of history. Vous seulement besoin être un étudiant de l'histoire. And you must be a student of the Bible. Et aussi un étudiant de la Bible. In fact, the two go together. En fait, les deux, ils ont marché ensemble. What's proven, one of the things that prove the veracity of the Bible. Une bagaille qui montre la véracité de la Bible. You can see what the Bible predicts. C'est qu'au cas où qui ça la Bible prédit. And take any secular history that is honest. Ensuite, prend toute histoire séculière qui bien rédigé. From the first century to today. Depuis le premier siècle là jusqu'à présent. You will see the consistency of what God predicted and what has happened in history. Wa pour consistance de sa bon Dieu était prédit et puis comment ça arriver dans l'histoire. Now when all this will begin? Alors question c'est qui le tout bagaille ça va commencer. Well, it tells you in verse 25. Bon, verset 25 explique ça clairement. Look at verse 25. Regardez verset 25 avec. From the going forth of the command to restore and build Jerusalem. Il dit depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Until Messiah the Prince. Jusqu'au Messie, au conducteur. There shall be 7 weeks. Il y a 7 semaines. And 62 weeks. Et 62 semaines. Okay. That's not a mystery. Well, c'est pas un mystère. All you have to go and go back in history. Ça vous fait seulement retourner dans l'histoire. When was the decree given to rebuild Jerusalem? Qui le nous déjà un décret ça pour te reconstruire Jérusalem? You can look at history and find that out. Bon, gardez dans l'histoire et puis n'a pas. Well, make sure that you don't confuse several decrees that were given to rebuild the temple. Pas confus plusieurs décrets qui étaient bas déjà pour la reconstruction du temple. And the decree that is given to rebuild Jerusalem as a city as a whole. Et le décret qui était bas pour reconstruire Israël comme une nation. And the final decree that was given to rebuild not just the temple but the whole Jerusalem. Et le décret final qui était bas pour reconstruire non seulement le temple mais toute Jérusalem. Beginning with the rebuilding of the walls of Jerusalem, qui était commencé avec la construction des murailles de Jérusalem, which we have studied in the book of Nehemiah, que nous avons étudié à long et en large dans le livre de Nehemiah. Then you can find out now when did it begin. Et là, ça, on capable joindre qui l'a commencé. So if you turn to Nehemiah chapter 1 and chapter 2, et si vous tournez dans Nehemiah chapitre 1 et Nehemiah chapitre 2, we'll paraphrase it for you. You don't have to turn there. N'a juste paraphrasé le bout pour capable. You know the decree was given by de King Artaxerxes. Vous avez songé que décret a été bâillé par le roi Artaxerxes. Well, according to any historian, Artaxerxes came to power in 464 BC. Selon plusieurs historiens, Artaxerxes que finit au pouvoir en 464 avant Jésus-Christ. But turn to Nehemiah chapter 2 verse 1 and 2. Tournez dans Néhémie chapitre 2 et puis gardez verset 1 et 2. He's going to give you the exact day that it started. Là, dit exactement le jour que ça a commencé. It tells us that it was in the month of Nisan. Il dit nous c'était au mois de Nisan. Which correspond according to our calendar to the month of March. Qui correspond à calendrier pas nous le mois de mars. But it was given 20 years after he became king. Il dit nous que décret ça a passé 20 ans après que monsieur devint roi. That means if you know when you are counting from the Old Testament time to the New Testament,
you go backward, you go down. Alors dans contexte dans ce testament pour contrôler le temps, on commence avec ça pioua pour arriver plus bas. So if he began his reign in 464. Alors s'il était régné de en l'an 464. And then the decree was given in the 20th year. Et ensuite décret a pas venir passer jusqu'au 20 ans plus tard. That takes us to exactly 444 BC. Cela veut dire que décret a été passé en 444 avant Jésus-Christ. So we know that's when the decree to rebuild Jerusalem began. Nous connaissons que le décret pour rebâtir Jérusalem, c'est là ça a commencé. That's when the timetable for Israel, for those six things to happen for Israel. C'est là ça que temps qui était établi pour six bagages ça arriver pour Israël. Là, so commencé. We can confidently say that decree was given in March 444 BC. Nous sommes capables de dire avec confiance que le décret ça a été bâillé en mars 444 avant Jésus-Christ. And look how it is divided. Ensuite, regardez comment il est divisé. There will be the first period is a 7-7. Il y a une première période qui c'est 7 fois 7. And 7-7 gives you 49 years. 7 fois 7, 49 années. So we are already we have already covered 49 years. Alors, in the rebuilding of Jerusalem, and everything that has to take place will take 49 years. Et là seulement, nous déjà complété 49 années pour toute bagaille qui était passée. But you said the walls were completed in 52 days. Mais vous dites bon, mur à la lui-même, il était presque seulement 52 jours. But to restore Jerusalem completely, not just the wall. Mais pour te reconstruire Israël complètement, non seulement muraille. And that has been desolate for so many years. Parce que ville t'est détruit pendant plusieurs années. It takes more than 52 days. Il prend plus que 52 jours and pour bâtir une ville. 49 years was to bring Jerusalem back exactly the way it was before. Et première 49 années, c'était pour mener Israël à sa gloire so première. So that's the first portion of the 490 years. Ça c'est première portion dans 490 ans. But he says also there is also 62 sevens. Il dit nous aussi gagnent 62 semaines. And the 62 seven in of years. Et 62 semaines c'est 62 années. 62 times 7 give you 434 years. C'est 62 multiplié par 7, par 7, il y a 434. Yeah, you can calculate it. It's 434. Oui, 434. That's biblical math, people. Ça, c'est mathématique biblique. We're not inventing those numbers. C'est pas numéro que n'a pas inventé. Because we tell you 490 years as it is explained in the Word of God. 490 ans, comme l'idée expliquée dans le texte. And the same Bible is breaking it down numbers by numbers. Et même texte là aussi a expliqué au lit un chiffre après un autre. So if you understand clearly. Et si vous comprenez clairement. You have now 69 weeks. Vous avez remarqué que ça mettait où à 69 semaines. Or 483 years. Ou bien 483 années. Now you have 49 years. Qu'on y aurait 49 années. Plus 434 years. Plus 434 années. That gives you 483 years. Ça vaut 483 années. Or 69 years. Weeks of year. Ou bien ça aurait les 69 semaines d'année. Now you said, well, it's 490. Mais on dit, mais il est supposé 490. So we have 1 week that is missing. Alors, il y a une semaine qui ne peut pas conclure. But remember what it says. Mais songez bien ça le dit. From the first period of time, 7 times 7, 49. Depuis la première période de temps, 7 fois 7, 49. And 62 weeks after that, 434. Et ensuite, 62 semaines après ça, 434. He's telling you what would happen. Les dis-nous qui ça va arriver. The Messiah will be introduced. Les dis-nous que le Messie sera introduit. It takes 49. Libre 49. Plus 434. Plus 434. And look at verse 25. Et bien ensuite, regardez verset 25. There shall be 7 weeks and 62 weeks. Il dit, il y aura 7 semaines et 62 that semaines. That begins with the decree to restore Jerusalem. Qui s'est commencé avec le décret pour rebâtir Jérusalem. To rebuild everything in Jerusalem. Pour rebâtir toute bagaille qui existait dans Jérusalem. And also until the Messiah, the Prince. Et cela jusqu'au Messie, le conducteur. Now, when did Christ introduce himself as the Messiah to Jerusalem? Alors, qui l'est exactement que Christ introduit tête comme Messie sur Jérusalem? You remember that?
bon, t'as dû songer ça. It was on Palm Sunday. C'était le dimanche des rameaux. In fulfillment of Zechariah chapter 9 verse 9. En accomplissement de Zacharie chapitre 9 verset 9. We find it very described in the gospel that Christ entered Jerusalem with great acclamation. Nous joignons très bien décrit dans les évangiles que Christ rentrait dans Jérusalem en triomphe. And he says, your king, your prince is coming. Il dit, voici votre roi, le prince viendra. And people were shouting Hosanna in the streets. Et moun tap crié dans les rues Hosanna. And that's when he introduced himself. Et c'est là ça il était introduit tête li à Jérusalem. But that, and if you calculate it according to biblical historians. Et sous calcule selon historien biblique. To the exact day Christ entered Jerusalem. On voit que c'est dans jour ça exactement que Christ rentrait Jérusalem. From the time of the decree in March 444 BC. Depuis le temps des décrets en mars 444 avant Jésus-Christ. To the time that he introduced himself to Jérusalem. Jusqu'au temps qu'on l'a introduit tête li à Jérusalem. That marked exact to exact day the 483 years. Ça marquait exactement 483 années. You said, where is the last week? Because Israel rejection of Christ as the Messiah, you remember, after the entry of Jerusalem. Parce que le rejet d'Israël comme de Jésus-Christ comme Messie après son entrée triomphale. On Sunday they were acclaiming him as king. Ou ap songe dans premier dimanche, yo t'ap acclamé li comme roi. On Palm Sunday they were crying, blessed is he who come in the name of the Lord. Le jour de l'entrée triomphale, il était proclamé lui comme celui qui vient au nom du Seigneur. That was a song ascribed to the Messiah. Ça c'était un chant qui était décrit au Messie. But when they discovered it's not the Messiah they were expecting. Mais là, ils ont réalisé que c'est pas le Messie que eux-mêmes ils attendaient. He was not going to bring social economic changes. Ils ont réalisé que il pas porter changement économique et social. That he was not going to remove them from the empire, from the Roman Empire. Est-ce que aussi les papes retirer en bas la puissance ou domination romaine? When he was compared to Barabbas, les yo comparer avec Barabbas, they reject him and they chose Barabbas in his place. Yo rejeté le Messie et choisi Barabbas en place lui. Christ was judged, sentenced, and given to the Romans to be executed. Et yo était jugé Christ, livré aux Romains pour être exécuté. And that's what happened. Et c'est ça qui est arrivé. That's what Israel is where it is today. C'est ça fait Israël trouver la circonstance que lié aujourd'hui. After that rejection. Après cette réjection. God put a pause into the program. Bon Dieu mettait une pause dans son plan pour Israël. Because otherwise 7 years after everything that was predicted in verse 24 should have been accomplished. Autrement tout ça qui était prédit dans Daniel chapitre 9 verset 24 là t'as déjà accompli. If there was not a pause, si pas de gain pause, there will be an end to the sin of Israel. Tu as gain déjà une fin, une cessation au péché d'Israël. There will be an atonement for iniquity for Israel. Tu as gain une expiation pour les péchés d'Israël. Israel would be enjoying an everlasting righteousness. Israël t'a joui la justice éternelle de Dieu. The vision and the prophecy we have ceased. La vision et la prophétie t'a déjà terminé. But we know none of that happened after the Messiah came. Mais nous connaissons une bagage ça pas arrivé après l'arrivée de Messie. None of those things happened for Israel. Yunna ba ça pas arrivé pour Israël. Israel still where it is today. Israël toujours était là côté de Dieu. In rebellion against God. Dans sa rébellion contre Dieu. And rejecting Christ as the Messiah. Et rejeté Christ comme étant le Messie. And that's what explains we know there must be a pause in the 490 years. Et c'est ça qui explique que doit gagner une pause par rapport à cette 490 ans. And what is that pause all about? Et qui ça qui occasionné ça? Well, Romans. Actually, John 1, verse 12 to 14 tells us. Bon, Jean chapitre 1, verset 12 à 14, dit nous ça. The rejection of Israel. La réjection d'Israël. It's a blessing for us. C'est une bénédiction pour nous. Because he came to his own. Parce qu'il est venu chez les siens. And his own did not know him. Et les siens ne l'ont point reçu. But to all who have placed their faith in the Lord Jesus Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. He has given the power to become the children of God. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. And that pause is the pause to open the church age where we are today. Et pause ça, c'est un pause pour ouvrir l'âge de l'église que n'a vive aujourd'hui. And that pause will continue until the church is taken up to be with Christ. Et pause ça va demeurer jusqu'à l'enlèvement de l'église pour être avec Christ. And that's the pause that
Paul talks about in Romans chapter 11. Et c'est de Paul ça que Paul a parlé dans Romains chapitre 11. The program is set for Israel. Le programme était déjà établi pour Israël. To accomplish all those six things for Israel. Pour accomplir ces six choses pour Israël. But Israel rejected the Messiah. Mais puisque Israël rejetait Messie. God put a pause on the program. Dieu mettait en pause dans le programme, non? Turn his attention to the nations. Il tournait ses attentions vers les Israel nations. Was supposed to reach out the nations for God. Israël était supposé à l'évangéliser les nations. Because of their rebellion, God turned directly toward the nations. Mais à cause de leur rébellion, Dieu tournait directement vers and les became nations. The church age that began after the Holy Spirit came at Pentecost. Et ça vient de nous l'âge de l'église qui commençait avec la venue du Saint-Esprit and au jour de la Pentecôte. Until the totality of the Gentile believers will come in. Et ça va continuer jusqu'à ce que la totalité des païens soit accomplie. That's what Romans 11 tells us. C'est ça Romains chapitre 11 dit. Then at that time God will close the parenthesis. Et ensuite après ce temps Dieu va fermer parenthèse. He will stop the pause and will start his program with Israel. Et bon Dieu va suspendre pause là et recontinuer son programme avec Israël. I hope you're still awake. J'espère que vous êtes clair toujours. I know we talk about a lot of numbers. God a parlé de plein chiffres. But there is a blessing there, my friend. Mais il y a une bénédiction là-dedans, chers amis. We are here today. Nous là aujourd'hui. Because God has turned His attention directly to us. Parce que Dieu t'a tourné son attention directement vers nous. In order to accomplish His program for the church and for Israel. Pour capable accomplir son programme pour l'Église et pour Israël. He put Israel on pause. Il mettait en pause pour Israël. Open the door for all nations, all tribes to come in. Il ouvrit les portes pour toute nation, toutes les tribus pour y entrer. So instead of evangelizing the world. Pour ça, au lieu que évangéliser le monde. Now the church is evangelizing Israel. C'est le monde, c'est l'église pardon qui a évangélisé Israël. But there will be a time where God will go back and finish what he wanted to do with Israel. Mais va gagner en temps côté Dieu a retourner pour capable continuer son programme. How do we know that? Comment faire comme ça? Because he's a faithful God. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Everything he says he will do for Israel. It will happen. Tout ça il dit l'a fait pour Israël, l'a fait tout. And let me say this to you. Et quittez-moi dire ça. If you don't believe God, sou pas quoi, fais bon Dieu confiance. If you don't believe that, sou pas faire sa confiance. You have no reason to claim any promise that God made to anybody. Ou pas gen pièce raison pour faire confiance à n'importe bagay bon Dieu di a personne. If you say that God is finished with Israel, parce que sou déclare que le programme de Dieu pour Israël est terminé. Such a God cannot be trusted. Yon seul non tel Dieu ou pas ka faire confiance. Because if God have sworn by his name that he will fulfill this program, parce que si Dieu t'a juré sur son nom que l'a pas accompli pour gars ça. What will make you so sure that he will keep his word to you? Qui sort qui faut bar assurance que parole lui promet tout. In fact, the reason we can trust God, en fait raison fait nous capable faire confiance à Dieu. Because he has demonstrated time and time again his faithfulness to Israel. C'est parce que il a démontré temps après temps que lui c'est un Dieu qui fidèle à Israël. And we look at his history with his children Israel. Et nous regardons l'histoire lui et avec les enfants d'Israël. And we can say that God we can put our trust in him. Et puis nous qu'a conclu que ce Dieu là nous capable so de anybody who tells you that God is finished with Israel. Alors n'importe monde qui faut comprendre que Dieu l'est terminé avec Israël. That the Jews have no place in God's kingdom, in God's program. Que les Juifs pas place encore dans le programme, dans le plan de Dieu. They are committing two sins. Moun sa yo yo commet deux péchés. Not only they are lying. Non seulement yo a bay menti. But they are calling God a liar. Mais aussi a yo relé Dieu, au fait de Dieu un menteur. That's even a greater sin. Ça c'est encore un plus grand péché. If you lie out of ignorance. Si vous faites songe à cause de l'ignorance. That's one sin. Ça c'est un péché. But to call God a liar. Mais pour causer que moun relé Dieu menteur. That's even a greater sin. Ça c'est un plus grand péché. And so that's what we see God's program for Israel is going to be fulfilled. C'est ça fait nous conclure que le programme de Dieu pour Israël l'a pas accompli. How is that going to happen? Qui Jean va arriver fait? Now in verse 26. Non, verset 26 Daniel chapitre. After the 62 weeks. Lui dit nous comme ça après les 62 semaines. Which was added to the first 7, that means 69. Qui était les 7 additionnés à 62, ça va nous 69. The Messiah will be cut off. Lui dit nous le Messie sera retranché. What does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Well, Isaiah 53 verse 8 tells us. Bon, Isaïe chapitre 53 verset 8 dit nous ça. He will be cut off from the world of the living. Lui dit nous que il va
retranché parmi les vivants. Christ would die by crucifixion. Que Christ lui va mourir à travers la crucifixion. Daniel knew that Christ will come. Daniel te connaît que Christ a vini. That he would be cut off. Et que l'aile vini, il va tuer. He will be crucified. Il va crucifier. And that's one thing that we know would happen. Ça c'est une bagarre que nous connaît qui est pour arriver. But he will not be cut off for himself. Mais il pas juste et He will not be cut off for himself. Li pa gen successeur après lui. He will not be cut off for himself. C'est pas à cause de lui que on va tuer. Isaiah 53 tells us why he will be cut off. Isaïe 53 dit nous raison qui fait il va mourir. He will be cut off by bearing my sins and your sins. Il va retrancher en portant mes péchés et vos péchés. He will bury our suffering upon himself. Il va porter sur lui-même nos péchés et nos souffrances. He will take the father's chastisement upon himself. Il va prendre l'humiliation et la souffrance que Dieu passe sur lui. His stripes we are healed. Et par meurtri sur lui, nous so he won't be crucified because of what he has done. Il pas crucifié à cause de ça le fait. He will be crucified because of what I have done and what you have done. Il va crucifié à cause de ça moi-même avec coup de nous te fait. What else will happen? Qu'est-ce encore qui va arriver? After Christ is cut off. Après que Christ il va venir mourir. And the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. Il dit le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Well, one of the reasons that we know there was a pause. Bon, une raison qui fait nous connaître que t'es en pause. Because that did not happen until 40 years later. Parce que ça pas arrivé fait jusqu'à 40 ans plus tard. So if you don't believe there should be a pause, then 7 years after Christ come, Jerusalem should have been destroyed. Et sous pas quoi que en pause, eh bien 7 semaines après Christ vini, Jérusalem était supposé détruit. But that's one evidence that there was a pause in the program. Mais ça c'est une évidence que t'es en pause dans le programme. Because bon we know what happened to Jerusalem in AD 70. Parce que nous connaissons qui s'est quitté arrivé en Israël dans les années 70. That's about 40 years later. C'est environ 40 ans plus tard. What happened? It was destroyed. Qui s'est quitté arrivé? C'est que Israël, Jérusalem était détruite. Titus came and made desolation of Israel. L'empereur Titus est venu et lui causait désolation à Israël. And Titus is a type of the Antichrist. Titus est un type de l'Antéchrist. It gives you a first view of what will happen in the end times. Il donne nous une première image de ça qui va arriver à la fin des temps. But that's not the final point here for Jerusalem. Mais là, c'est pas le point final pour Jérusalem. Because after AD 70. Parce que après AD 70. En l'an 70 après Christ. Titus continues to do whatever he was doing until much later he would die. Titus te comme continuer faire ça te voulait faire. But look at carefully what the text says. Mais gardez bien qui ça texte a dit. That person will make a covenant with many for 1 week. Texte a dit que Mounsa lui va faire une alliance avec plusieurs pour une semaine. There was no such covenant made with Israel. Alors alliance ça lui pas fait avec Israël. That's what we know that Titus, although he was a type of the Antichrist. C'est ça fait nous connaît aussi vrai que Titus c'était un type de l'Antéchrist. But he's not the final Antichrist that would come. Mais c'est pas lui-même qui l'Antéchrist qui doit finalement arriver. And the destruction of Jerusalem was predicted by Christ himself. Et la destruction de Jérusalem Titus Christ est décrit lui-même. Because you remember as he entered Jerusalem. Vous songez que l'alta rentrait sur Jérusalem. While the people were shouting Hosanna and blessed is he who come in the name of the Lord. Pendant que mon Dieu t'a crié Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Christ was weeping. Christ lui-même il t'a pleuré. And then he predicted what will happen to Jerusalem. Et ensuite il a prédit ce qui va arriver à Jérusalem. That there will not be one stone stays on top of another stone that will not be destroyed. Pas qu'une pierre qui restait sur yon l'autre ce qui pas détruit dans temple. And Joseph was the first century Jewish historian. Et Joseph qui c'est un historien juif dans premier siècle. Describe exactly that it was a total devastation. Il déclarait pour nous clairement que c'était une dévastation totale. So where we are so far. Alors qui bon nous est présentement? We know that the Messiah was cut off. Nous connaissons que le Messie il est retranché. We know Jerusalem was destroyed in 70 AD. Nous connaissons en l'an 70 après Jésus-Christ Jérusalem était détruit. But we're still looking for the last week when it will happen. Alors qu'on a nous toujours regardé à la dernière semaine pour nous connaître ce qui s'est arrivé dans la dernière semaine. Return to verse 27. Qu'on a regardé verset 27 dans Daniel 9. He shall confirm a covenant with many for 1 week. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine.
Well, that's the last week. Ça c'est dernière semaine. But what will happen before that last week? Mais qu'est-ce qui va arriver avant cette dernière semaine? There are several things that we must notice as we study verse 27. Il y a plusieurs bagages pour nous souligner dans étude verset 27 là. First of all, we know that Israel has not yet accepted the Messiah. Premièrement, nous connaissons que Israël pourquoi accepter Messie. We know Israel has not been reconciled with God through the atonement of Christ. Nous connaissons Israël pas réconcilié avec Dieu. And we know before the Antichrist must come, there will be an end to the church age. Nous connaissons avant l'Antéchrist à venir, faut qu'il y ait fin à l'âge de l'Église. How do we know that? Second Thessalonians chapter 2 tells us that. Comment nous faire comme ça, de Thessaloniciens chapitre 2 dit nous ça. We have several passages that tells us the coming of the Antichrist. Il y a plusieurs passages qui expliquent nous au sujet de la venue de l'Antéchrist. Before God will start his program with Israel. Avant que mon Dieu recommence son programme à Israël. The church must be taken away from this earth. Il faut que l'église soit enlevée. That's what we call the rapture. C'est ça nous relie l'enlèvement. That's what we call the blessed hope. C'est ça nous relie la bénédiction assurante. The coming of the Antichrist will trigger what we call the last week in God's program for Israel. La venue de l'Antéchrist, c'est lui-même qui va bailler naissance à dernière semaine et le commencement du plan de Dieu pour Israël. Because that last week will be the time where God will bring his judgment upon the earth. Parce que dernière semaine, ça, c'est semaine côté bon Dieu va porter jugement ni sur Israel will be troubled by that last week. Israël va troubler dans mes temps dernière semaine. But it is also within that last week that Israel will experience a national repentance. Mais c'est pas dans nos dernières années ça que Israël va faire expérience du repentance national. Before the Antichrist comes. Et dans le commencement avant même l'arrivée de l'Antéchrist. The church age will end. L'âge de l'église va terminer. And the church will be taken up to meet with Christ in the air. Et l'église va enlever pour rencontrer avec Christ dans les airs. That's the promise that we have in 1 Thessalonians 4, 13 through 18. Et c'est promesse ça que bon Dieu fait nous dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 18. All those who died in Christ will rise up first. Il dit tout ça qui mourit en Christ va ressusciter premièrement. And those who are still alive will be changed in an instant, in a winking of an eye. Et ça qui était encore vivant, il va changer dans un instant, dans un clin d'œil. And when the Antichrist comes. Et ensuite, lorsque l'Antéchrist va venir, la période de tribulation commence également. He will start a covenant that was mentioned here in verse 27. C'est le ça, verset 27, Daniel l'a dit, il a commencé une nouvelle alliance. He will promise peace. Alliance que la promette la paix. He will promise prosperity. La promette prospérité. He will be the most popular political figure ever existed. Il va y avoir une figure politique qui est très populaire. And several passages tell us how arrogant he will be. Et plusieurs passages disent nous comment souvent nous we saw that in Daniel chapter 7. Nous voyons ça dans Daniel 7. We saw that also in Matthew chapter 24. Nous voyons dans Matthieu chapitre 24. And we find out also he will do miracles and signs in 2 Thessalonians chapter 2. Et nous voyons également qu'il va faire des miracles et des signes dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. He will be a powerful political figure. C'est une figure politique très puissante. He will be a powerful even religious figure at the same time. C'est un leader religieux très puissant également. And also he will seduce many at that time. Et ensuite il va séduire plusieurs en ce temps-là. But the text tells us he will break that covenant in the middle. Mais texte là dit nous aussi que il va briser alliance ça au beau milieu. Now that will give you 3.5 years. Ça mettait déjà 3 ans et demi. Because the last week will be a period again of 7 weeks. Parce que 7 years. Deuxième, dernière semaine, non, c'est en période de 7 ans que lié. So in the middle of it will be 3.5. Et dans mi-temps semaine, ça, c'est va 3 ans et demi que va y. And there are several passages who talk about that 3.5 years. J'ai plusieurs passages qui parlaient de 3 ans et demi. Or half of the 7 year period. Ou bien ça aurait été moitié de cette semaine. If you remember in Daniel chapter 7. Sous songez, dans Daniel chapitre 7. It talks about time, times and half a time. Il parlait d'un temps, la moitié d'un temps. And you find in several other passages. Et vous avez plusieurs d'autres passages. Where he talk about 1260 days. Quand elle parlait de 1260 jours. Or 42 months. Ou bien 42 mois. That will be the time that the Antichrist will break the covenant. Ça se va promis, c'est va venir premier temps ça que l'Antéchrist va briser. Now if you say 1260 days. Ou dit 1260 jours. How does that give you
half of the 7-year period. Comment ça fait arriver à moitié de 7 ans? Well, one thing we must mention in passing. Bon, you know, I'm going to souligner rapidement pour vous. The Jewish calendar is made of 360 days. C'est que le calendrier juif là, c'est 360 jours que le instead of 364, 365, as we are accustomed to. Contrairement à Panouan qui gagne 365. So if you find, if you multiply 42 months, alors si vous multipliez 42 mois, and you will by 30, par 30, you will see exactly how many days that will give you. Vous allez voir combien de jours que le bail. And that's exact number that we find throughout scriptures. C'est un chiffre ça que nous jouons à travers les écritures. That will the time that the Antichrist will commit abominations. Qui c'est temps côté l'Antéchrist va commettre l'abomination. He will break the covenant that he made with Israel. Il va briser l'alliance que l'il a fait avec Israël. And then there will be chaos throughout the time of the tribulation. Et ensuite va gagner chaos tribulation pendant les périodes de tribulation. There will be persecutions. There will be God's judgment being put out on earth. Va gagner le jugement de Dieu déversé sur la terre. As we are studying in the book of Revelation. Et comme on a étudié dans le livre d'Apocalypse. But it is also the greatest evangelistic revival that will take place at that time. Mais aussi c'est plus grand croisade évangélique qui va prendre place. That's when Israel will repent from their sins. C'est là ça Israël va repentir de péché. In the middle of all the persecution. Dans le temps toute persécution ça. In the middle of the all the threats of the Antichrist. Dans le temps toute menace que l'Antéchrist. Those of you who are studying with us the book of Revelation. Même qui étudie avec nous le livre d'Apocalypse. You will find out that there will be 144,000 Jews evangelized at that time. Vous avez gagné 1444 juifs qui va évangéliser dans jour ça. Not only Israel will experience a national repentance. Non seulement Israël va faire expérience de repentance nationale. A multitude who cannot be numbered will accept Christ as their personal savior. Il va y avoir un nombre qui immesurable qui va accepter Christ comme maître et sauveur personnel lui également. God's program for Israel will be fulfilled. Le programme de Dieu pour Israël il va accompli. Because Zechariah 12:10 tells us. Parce que Zacharie chapitre 12 verset 10 at that time, que en ce temps-là, their eyes will be open. Que leurs yeux seront ouverts. They will look to him they have pierced. Et on va regarder celui qu'ils ont percé. And they will weep bitterly. Et on va pleurer amèrement. And God they will repent of their sins. Et on va repentir de péché. And God will forgive their sins. Et Dieu va pardonner péché. Even though Christ made all the provisions at the cross. Même si bien que Christ fait toutes les provisions sur la croix. Because they didn't reject it. Parce que because they didn't accept it. Parce que pas accepté lui. They continue to live in transgression. Ils continuent à vivre dans la transgression. They continue to live in sin. Parce que ils continuent à vivre dans le péché. They have not been reconciled to God. Ils n'ont pas été réconciliés avec Dieu. But at that time, my friend. Mais en ce temps-là, chers amis. Israel will be reconciled to God. Israël va réconcilier avec Dieu. Their sin will be forgiven. Péché va pardonner. All the six things that God predicted will happen at that time. Et toutes six bagages ça que bon Dieu t'a prédit va arriver en ce temps-là. There will be an end to sin. Il va y avoir une fin au péché. Israel will be reconciled again to God. Israël va réconcilier encore une fois they à Dieu. They will experience everlasting righteousness. Ils vont faire expérience de la justice éternelle. There will be de no Dieu. More need for vision and prophecy. Pas bien besoin pour vision et prophétie encore. And at that time they will anoint the most holy. Et le ça, il va and the one who will reign in that most holy will be Jesus Christ. Le Saint des Saints qui va régner sur le lieu très saint, c'est Jésus-Christ. How do we know that? Comment faire comme ça? Because God is faithful. Parce que Dieu est fidèle. If he can save people like me and like you. S'il a sauvé monde tant que moi-même avec vous. If he says the nation of Israel is going to be saved, you can bet on that. S'il dit la nation d'Israël va sauver, vous capable compter sur ça. How do we get saved? Comment mon arrive sauvé? By grace through faith. C'est par la grâce à travers la foi. By faith in the Lord Jesus Christ. En mettant la foi en la personne de Christ. Because we have repented from our sins. Parce que t'es repenti de péché. How will Israel be saved? Comment Israël arrive sauvé? The same manner. Même manière. Là. The gospel they have rejected. L'évangile qui a été rejeté. The Messiah they have caused to be crucified. Le Messie qui a été causé crucifié. They will repent from that transgression. Il va repentir de cette transgression. They will accept him as their personal savior. Il va accepter comme le maître et sauveur. Just as God promised. Et comme Dieu te promet. All Israel will be saved. Et tout Israël sera sauvé. And we will join with Israel to be one people of God. Et nous va joindre avec Israël pour former un seul corps, un peuple de Dieu.
So all those numbers lead to that point, my friend. Et tout chiffre ça eux conduit vers that point week ça. Completed the 70th week. Et semaine dernière semaine ça a complété les 70 semaines. 490 years. Just like it was given. Exactement 490 ans comme l'était prédit. In between, that's us. Entre temps, c'est là nous-mêmes nous, c'est nous-mêmes l'Église. In between, God opened the parenthesis. Au beau milieu, Dieu fait ouverture de une parenthèse. So now we can pray for Israel. Kounyan, moi-même avant, nous capables prier pour we Israël. We can serve the Lord and be to them what they should have been to us. Nous capables servir le Seigneur pour nous pour Israël ça Israël t'est the mission of the church is to continue to bless Israel. La mission de l'église c'est continuer bénir Israël. To pray for the salvation of Israel. Pour prier pour le salut d'Israël. To evangelize Israel. Pour évangéliser Israël. And to pray that God's program is fulfilled for Israel. Et pour prier pour que le plan de Dieu est capable accompli pour Israël. So don't let what you hear in the news turn your heart against Israel. Alors pas quitter bagaouta de nos nouvelles tourner cœur contre Israël. Oh certainly there have been many things that you can reproach Israel for. Certainement que plusieurs bagages capables de reprocher Israël. But there have been also misconceptions about Israel. Mais il y a plein de mauvaises conceptions par rapport à Israël. But regardless of what Israel has done or has been. Et peu importe de ça Israël t'est fait ou bien a fait qu'on y a. Remember, it's about God's faithfulness. Songez bien que tout ça n'a pas l'air, c'est plutôt sur la fidélité. God is not going to save Israel because he's a good nation. Bon Dieu, papa, sauve Israël parce que Israël est un bon peuple. Just like he didn't save you because you were good. Dieu, même Jean lui pas sauvé parce qu'on était bon. He's going to save Israel because he gives grace to Israel. Nous allons sauver Israël à cause de sa grâce. Just give grace to me and même to you. Même Jean lui fait grâce à moi-même et à vous. So if you want God to reject Israel, alors si t'as aimé mon Dieu rejeter Israël, the first person he should have rejected will be me and you. Premier bagage que mon Dieu t'a dû faire c'est rejeter moi-même. So the same grace that we enjoy, alors même grâce que nous jouions. Thank God, Israel also is going to benefit from the same grace. Merci Seigneur, Israël va bénéficier de cette and même grâce. And all children of God should say amen to that. Et tous les enfants de Dieu doivent approuver ça. Because we are saved by one grace, parce que nous sauvés par la grâce, by the same Savior, par le même Sauveur, by the same cross, par la même croix, and by the same blood, et par le même sang. There will not be a different kind of salvation. Pas bien l'autre genre de salut. We should rejoice knowing that the nation of Israel will be saved nous and join us in heaven. Réjouis-nous de ce que nous connaissons. La nation d'Israël va sauver et nous va avec eux dans le ciel. And that's what God says. He will bless those who bless Israel. Et c'est ça que fait bon Dieu dit la bénit ça qui bénit Israël. He will also curse those who curse Israel. Et il dit la aussi maudit ça qui maudit Israël. So if I were you, I would think twice before I start talking bad about Israel. Alors si nous avons retrouvé une place où on va penser deux fois avant de parler mal d'Israël. Yes, if they have done anything, any crime, yeah, they should be judged for what they have done. Il est vrai que si on fait crime, on doit juger selon crime. But not according to what is reported in the news. Mais non pas selon ce qui est reporté dans les nouvelles. Because we know the news have distorted many things about a lot of things. Nous connaissons qu'il y a un bapile bagaille que nous voulions yo mal reporté. Including Israel. Par rapport à Israël. The liberal press try to vilify Israel whenever they have a chance. La presse libérale essaie de vilifier Israël à chaque instant. But those of us who believe in the word of God. Mais nous-mêmes qui croyons dans la parole de Dieu. Must take the word of God as it is presented to us. Nous devons prendre la parole comme présentée à nous. What should we retain from all this? Qui ça nous doit retenir de tout ça nous dit là. Quickly. Rapidement. Remember the first three things. Vous savez, trois premiers bagages que nous avons soulignés pour vous. God is sovereign over history. Dieu est souverain sur l'histoire. The history of the world as just as the history of Israel. Sur l'histoire du monde, même genre avec l'histoire d'Israël. The second thing we must remember. Deuxième bagage que nous devons songer. Israel has a preeminent place in God's program. C'est que Israël a une place prééminente dans le programme de Dieu. That should be a cause of rejoicing for Christians. Ça c'est un bagage qui doit réjouir le cœur des chrétiens. Because it is through Israel that we get Jesus Christ. Parce que c'est à travers Israël que nous gagnons notre Messie Jésus-Christ. Through Israel we get the Bible. C'est à travers Israël que nous gagnons notre Bible. Because through Israel we inherit all the spiritual blessing that we have as a church. C'est à travers Israël que nous jouissons toutes les bénédictions spirituelles que nous jouissons dans l'église. We should have no negative attitude or feelings toward the nation of nous Israel. Nous pas doué gagner pièce attitude ou bien sentiment négatif par rapport à Israël. Third thing that we must remember. Troisième bagage que nous devons songer. The God of Israel. C'est que le Dieu d'Israël. Is our God. C'est notre Dieu. And our God. Et notre Dieu. And the God of Israel. Et le Dieu d'Israël.
is a God who is faithful. Est un Dieu fidèle. He keeps his covenant. Il tient son alliance. He fulfills his promise. Il accomplit ses promesses. There is an amen there, people. Vous supposez dire amen pour ça. Because if God is not faithful, parce que si mon Dieu pas fidèle, if God could change his mind, si mon Dieu t'a changé pensée, there's no hope for me. Pas d'espérance pour moi. There's no hope for you. Pas d'espérance pour vous. The reason we are still breathing, raison fait moi-même avoir respiré, is not because we are faithful. C'est pas parce que nous fidèles. It's because He is faithful. C'est parce que il est fidèle. And that faithfulness, et cette fidélité, is going to be manifested toward his people, Israel. Sera manifestée envers son peuple Israël. Just like it's manifested toward us. De même que l'a manifesté envers nous. Jesus Christ's sacrifice solved the sin problem. Le sacrifice de Christ à la croix lui répond au problème du péché. The problem of sin of Israel is solved at the cross. Le problème du péché pour Israël aussi est résolu à la croix. The problem of sin for humanity is solved at the cross. Le problème du péché est résolu pour nous, pour le monde est résolu à la croix. Certainly we can sing. There is power in the blood. C'est ça qui fait nous capables de chanter. Il y a une puissance dans son Christ. The same blood that can redeem a sinner like me. Le même sang qui sauvait un pécheur tant qu'homme. Can save people like Israel. Est capable de sauver un peuple en tant qu'Israël. Christ's death and resurrection. La mort et la résurrection de Christ. Reconcile men to God. Il réconcilie les hommes à Dieu. Therefore, Israel will be reconciled to God. Et ainsi, Israël sera réconcilié avec Dieu. Just like by trusting in the Lord Jesus Christ. Même gens que nous-mêmes nous faisons confiance en. The other thing that we need to mention. L'autre bagage que nous devons souligner pour. There will be an antichrist. Va gagner un antéchrist. Will reveal himself against the people of God. Qui va révéler lui contre les enfants de Dieu. We have had many antichrists in the world. Nous avons plusieurs antéchrists dans le monde. Because the spirit of antichrist. Just like we read in 1 John, parce que l'esprit de l'antéchrist, comme nous lit dans 1 Jean, it's already active in the world. Il est déjà actif dans le monde. They are making laws against the church. Il a fait des lois contre l'église. They are persecuting Christians throughout the world. Des chrétiens à travers le monde. But one good thing that we know, mais un bon bagage que nous connaissons. When you read the last part of verse 27. C'est que l'on lit dernière partie dans Daniel chapitre 9 wrath will be poured out on the antichrist. C'est que la colère de Dieu lui va tomber sur l'antéchrist. And that will be his hand. Et ce sera sa fin. The antichrist of the world will not have the last word. Les antéchrists du monde ou bien l'antéchrist du monde pas gain dernière parole là. The next thing we need to remember before the last. L'autre bagage que nous devons songer avant de terminer. History will end. C'est que l'histoire va terminer. According to God's plan, selon le plan de Dieu. And according to his purpose. Et selon le but de Dieu. No president. Pas de président. No king. Pas de roi. Can change God's program. Capable de changer le plan de Dieu. Oh, there will be persecution. Oui, va de persécution. There will be threats. Va de menace. Some of us may even lose our lives. Il y a plein de nous qui peut-être qui a perdu la vie nous. But God's program will go on. Mais le plan de Dieu l'a continué. It has all gone for over 2,000 years. Il était comme ça pendant plus de 200 ans. Hitler 2000 ans. 6 million Jews. Hitler a venu et tué 6 millions de Juifs. But they are still here. Mais jusqu'à présent, peuple a existé. When nobody thought they will ever have a nation. Personne n'a jamais pensé qu'Israël était une nation. In 1948, they became a nation. 1948, Israël est devenu une nation indépendante. They occupy the land. Ils occupent le territoire. Yoa. And they are also continue to rebuild in Jerusalem. Et ils continuent à reconstruire Jérusalem. God's program will go on. C'est que le plan de Dieu l'a continué. Regardless of the plot of the enemy. Peu importe de toute menace ennemie. Hein, regardless of the persecution. Toute persécution. God's program will go on. Le plan de Dieu l'a continué. And finally, my friend. Et finalement, chers amis. God is faithful. Dieu est fidèle. But that should inspire us to be faithful. Et ça doit inspirer fidélité la caille nous tous. When you are serving a God who is so faithful, l'observer un Dieu qui si fidèle. You said I must also be faithful. Ou dit tout moi-même tout me doit fidèle. Because of his faithfulness, parce à cause de sa fidélité, I know what I'm doing for him will bear fruit. Je connais que ça m'a fait pour lui, elle va produire fruit. Regardless of the hard times that I may be going through, peu importe de temps difficiles que m'a passé, regardless of what the naysayers may say, peu importe de monde qui opposé t'a dit, regardless of the gossips, peu importe de tout parler mal yo, I can be faithful to God. Capable d'être toujours fidèle à Dieu. Be faithful.
Rete fidèle. Be faithful in your ministry. Rete fidèle dans ministère. Be faithful in your work. Fidèle dans travail. Be faithful in what you are doing for God. Fidèle dans ça vous faites pour Dieu. Regardless of the pressure of the world. Peu importe de pression le monde. Because God will fulfill His promise. Parce que Dieu l'a accompli promesse. That should give us courage to be faithful. Ça doit donner courage pour nous-mêmes pour être fidèles. We should have courage of our conviction. Nous devons courage sur conviction. Against the spirit of the antichrist of the world. Contre les esprits de l'antéchrist du monde. Because we are confident in His promise. Parce que nous avons confiance dans sa promesse. What He says for Israel, He will fulfill. Que ça le dit pour Israël, il va accomplir. What He says to us will be fulfilled. Ça le dit pour nous-mêmes, il va accomplir. And His name will be glorified. Et son nom sera glorifié. God bless you. Amen. Mettons-nous debout pour clôturer notre service de ce matin. L'Éternel des armées, que toute la terre est pleine de sa gloire. Éternel notre Dieu, trois fois saint, Dieu infiniment grand, Dieu de bonté, Dieu d'amour, nous humblement prosternés devant face bénie pour nos actions de grâce, pour son fait, pour nos actions de grâce, pour son fait nous y est. Dans Jésus-Christ petit tour, qui a été voué mourir à la croix pour bannir la vie, qui ban nous accès direct avec ou par la prière, et les autant de nous, les nous parler avec ou porter recours à nous-mêmes. Nous te remercions Seigneur pour le privilège immérité que nous te gagnons pour venir en présence ou pour nos bonnes adorations avec l'orange que nous-mêmes seuls mérité. Merci Seigneur pour la parole qui t'est prêchée avec hardiesse. N'a pas d'autant plus Seigneur que vous va permettre par parole pénétrer que nous, pour nous capables toujours songer que vous sommes bon Dieu qui fidèle, sans dire à bouche ou mais ou à pas accompli lui. N'a pas d'autant plus Seigneur qu'on va arrêter avec nous Seigneur pendant nous pour le déplacer. N'a pas d'autant plus Seigneur qu'on va mener nous dans demeure respective nous en bien. Nous pas oublier prier aussi Seigneur pour ça qui pas qu'on est ou qui retrouver parmi nous matin Seigneur. N'a pas d'autant plus Seigneur qu'on va permettre message ou toucher cœur yo et qu'on ça Seigneur yo va chanter même genre avec nous garder tout le monde là dans main. Nous vous merci Seigneur pour ça qui a coûté nous n'importe côté que yo yé. N'a pas d'autant plus Seigneur qu'on va permettre message ou pénétrer cœur au même tout. N'a pas d'autant qu'on va arrêter avec nous Seigneur. N'a pas d'autant plus Seigneur aidez-nous à comprendre volonté dans la vie nous. Aidez-nous Seigneur à vivre vous et pour même seul et tout côté que nous passer. L'autre qui pas connaît on nous va voir comment nous vivre et on va apprendre de nous pour marcher avec au Seigneur. T'as décrit que nous prions non en raison de mérite nous parce que nous pas aucun mérite. Mais nous prions au nom et par mérite infini de Jésus-Christ, notre divin rédempteur. Ô à celui qui peut nous préserver de toute chute, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, louange, honneur, magnificence, dès avant tous les temps et maintenant et au siècle des siècles. Amen. Allez en paix.